Salut la famille! Il y a toujours eu les histoires de sorcellerie au Cameroun, mais le tout sinon. On a vu le grand frère, mais ce n'est qu'à Bafoussam qu'on peut voir le genre là, parce que vraiment leur degré est trop élevé. Vous même écoutez l'histoire-ci et on se prend juste après. Ok! Comme vous pouvez bien le constater dans cette vidéo, l'histoire se passe plus précisément à Bafoussam. Une dame envoie son fils au marché A de Bafoussam, acheter de la viande. Dès le retour de son fils, la dame met la viande dans la bassine. Tout d'un coup, la viande se met à bouger. Elle s'inquiète, elle chauffe l'eau, elle verse sur la viande. Après quelques minutes, la viande continue de bouger. Elle s'inquiète, la famille s'inquiète. La dame porte la viande. Le fils part montrer à la dame où elle a acheté la viande. Elle part chez le monsieur à qui on a acheté la viande. Son fils a acheté la viande. Elle demande les explications à ce monsieur. Le monsieur ne dit rien. Le monsieur ne parle pas. Donc le monsieur s'en fout d'elle. Elle bavarde. Ah, le monsieur s'en fout de ce que la dame est en train de dire. Finalement, la femme abandonne la viande là-bas dans la bassine et elle rentre. Tout simplement pour vous dire que soyons vigilants. Franchement, soyons vigilants. Donc la vigilance pro-mars, parce que le dehors est risqué. On ne connaît plus quelle viande nous mangeons de gauche à droite. Nous, on ne connaît plus quelle viande nous mangeons. Quelle viande les bouchers nous vendent. On ne connaît pas. Moi, j'aurais préféré que nous-mêmes, on achète nos poulets au marché. On égorge nos poulets à la maison. Donc nous achetons nos poulets, nous égorgeons nos propres poulets à la maison pour manger. On achète donc on se focalise sur le poisson et le poulet. Donc tout genre de poisson frais, poisson sec. Parce que le dehors est risqué. Soyons vigilants. Pro-mars. Vigilance. Pro-mars. Bisous. En fait, honnêtement, ce n'est qu'à Bafoussam qu'on peut voir le genre ici. Bon, comment peux-tu tuer une viande découpé jusqu'à emballer, on bouillit même l'eau, on verse la viande, continue à faire des mouvements. Bref, ce n'est même pas trop ça que je voulais vous présenter. Il y a une image là qui circule sur WhatsApp aujourd'hui. Depuis ce matin, j'ai reçu la même image peut-être dans plus de 20 groupes WhatsApp dans lesquels je suis. En fait, c'est un jeune Camerounais qui a confondu un militaire à un policier. Vous savez qu'aujourd'hui c'est devenu récurrent. En dehors de celui qui avait raqué le policier ici au lycée Leclerc, il y a encore eu d'autres images, même à Douala. Donc les jeunes ont décidé de nous prouver que les hommes en tenue ne sont rien. Donc voilà donc qu'il allait s'attaquer à un militaire croyant que c'était un policier, où on va dire que non, on l'attrape, on va aller juger. Le militaire lui n'attend pas ça. Méfiez-vous, hein. Je ne veux pas dire que c'est juste ce qu'ils font, parce que c'est condamnable, même le loi, même le... On va les sanctionner. Mais comme vous voyez en image là, non, je ne peux pas vous présenter la vidéo. Je vous assure que c'est très grave. Facebook va sanctionner la vidéo là. Le massacre que le petit là a eu, même dans ses rêves. Non, les gars n'attendent pas que la justice la décide de quoi. Il dit que le massacre que le petit là a eu, science tenante. Le petit lui-même a vu comment l'ange Gabriel l'appelait, il y a que mon fils vient pas. Donc, quand vous avez pris la décision, quand vous prenez vos yayato, vous prenez vos rameaux, vos mangas, machin, tout là, vous venez nuire les hommes en tenue, en remontée, que vous êtes grand là. Continuez. On dit, il y a un adage qui dit que c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude qu'elle connaît qu'il y a deux sortes d'eau. Donc le gars là a confirmé que, mais, donc on dit homme en tenue comme ça, il y a la différence entre les militaires et les policiers. Faites l'erreur un jour de cravater seulement un biroir. Faites l'erreur un jour de cravater un miroir. Vous avez vu ce que le petit là a eu, non? Ce qui est sur vous, tout ça, vous avez vu, vous avez reçu les images là, par WhatsApp, ça circulait un peu de partout. Donc, le gars il a que cravater le, parce qu'on voit seulement, on a que jouer, donc, on a que chandaliser seulement le petit, le ballon n'est rien. Non, même ce que les Sameto faisaient dans les grades, au stade là, c'était rien. Donc, en une minute, non, en 30 secondes, le petit n'avait plus le souffle. Donc, paraît-il qu'en
quand il, comme il manquait du respect à un militaire, l'autre a vu. Parfois, vous faites des choses comme ça. Je me rappelle un jour, j'ai pris le car. J'étais en train d'aller à soi. Il y avait un militaire qui rentrait de nos eaux. Donc, il avait encore. Donc, le gars était encore tensionné. Vous connaissez les histoires de cas où on monte dans le car, on descend. Le gars était donc à côté. Le convoyeur lui dit, monsieur, descendez. Il dit, je suis fatigué. Il dit, tu es fatigué. Monsieur, vous connaissez les convoyeurs, non? Monsieur, descendez, les gens vont traverser. Il se recule, on sait que va au passage. Passe. Le convoyeur voulait encore le banquet du respect. Mais on ne sait pas comment le convoyeur s'est retrouvé dans la rigole. Tchac, tchac, le gars voulait me dire enlever le gun. Méfiez-vous, hein. On est venu calmer le gars. Il dit que vous connaissez d'où je sors. Quand le gars nous a dit que oh, je sors du nose, vous connaissez ce que j'ai fait là-bas. J'ai encore les séquelles. Chacun ressent que papa, pardon. Entre temps, hein, quand j'ai suivi ça, hey, pardon, j'ai d'abord donné 200. À l'époque, c'était 200, c'est d'abord déposé 250 du convoyeur là. Hein, au chauffeur, parce que le convoyeur était déjà traumatisé. Au chauffeur, pap, j'ai pris un autre cas, il les a abandonnés là-bas. Les militaires, confondus avec les policiers, ils passent en route, ils l'autre à fait prip, prip, prip. Le militaire n'attend pas la justice. Il gère sa justice, science ténane. Vous avez compris, non? Quand tu vas vous amuser, hein. Partagez-moi la vidéo, les amis. Entre temps, si c'est ta première fois de découvrir le général Franco, abonne-toi. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.